La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépression. Avec la permission de la chaîne, je me trouve à Miami, chez mon bar à Baïk. J'ai des bons amours, que la chaîne lui envoie une bonne santé à sa maman. Le cours de Torah de ce soir, je vais un peu raconter un peu des histoires. Et en racontant un peu des histoires, on va aussi essayer de comprendre certaines choses que nous avons besoin de comprendre. Vous savez que pendant cette période-là, de Pessah jusqu'à Shavuot, on parle, chaque Shabbat, on lit le Perkei Avot. On lit le Perkei Avot. Et dans le Perkei Avot, c'est écrit « Kol Israël, Yishlaem Helek l'Olam Haba ». Tous les Juifs, ils ont une partie à l'Olam Haba. Chaque juif, et là, ça part à Olam Haba. Alors, la première réaction, la première question que je pose, alors quoi, chaque juif est à Olam Haba? Ça veut dire, attends, moi j'ai toujours cru que celui qui respecterait Mitzvot, il est à Olam Haba. D'ailleurs, le Rambam dit que les non-juifs qui respectent les sept Mitzvot de Noah, ils ont aussi à Olam Haba. Alors quoi, tous les juifs, ils ont à Olam Haba, c'est comme ça? Comme ça? Sans effort, sans rien du tout. Kol Israël, Yishlaem Helek, Shenemar, Ve'amer Kol Hatzadikim. Parce que, comme le passage qui dit, que tout un peuple sont tzadikim. Les Olam Yirshu Aretz. Et c'est évident qu'ils vont avoir le zikhout, le mérite d'avoir Helek Olam Haba. Parce qu'on est tous des créatures d'Hachem. Mais quand même, c'est pas parce qu'on est des créatures d'Hachem qu'on a Olam Haba. Olam Haba, c'est ce mérite. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Shimon Bar Yochai dit que un juif, il y a trois choses pour les acquérir, il faut souffrir. Olam Haba, le paradis, la Torah et Eretz Israël. Pour avoir le zéro de vivre en Eretz Israël, il faut souffrir. Il faut souffrir. Israël, c'est pas le pays du beau temps, c'est le pire. D'ailleurs, vous voyez très bien que le monde entier, il en veut à Israël. Le monde entier, tout ce qu'Israël fait, le monde entier, il veut savoir ce qui se passe là-bas et toujours on est accusé, toujours. Et vivre en Israël, c'est demander sacrifice. Pour avoir Olam Haba aussi, c'est demander sacrifice, il dirait. Il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ici, on dit, Kol Israël Yishlaem Helek Olam Haba. Tous les juifs, ils ont la part à chaque juif, que tu sois tzaddik ou pas tzaddik, tu as Helek Olam Haba. Comment peut-on comprendre ça? Alors, vous savez, la parasha de cette semaine, c'est la parasha de Hokotai. C'est la parasha de, si je me trompe pas, c'est la parasha de Hokotai. Dans la parasha de Hokotai, c'est écrit, Vébé Hokotai, Téléchou, Vétichmogat, Vétichmogat, Shmeo, Asitémotayem. Un passage qui dit qu'il faut s'acharner dans la Torah. Et celui qui s'acharne dans la Torah dit, il faut s'acharner dans la Torah. Quelle est la raison pourquoi Hachem il veut qu'on s'acharne dans la Torah? La Torah ne dit pas pourquoi. La Torah simplement dit, il faut s'acharner dans la Torah. Vous savez que le mot hok, c'est une loi qu'on comprend pas. L'étude de la Torah, je comprends pas pourquoi il faut l'étudier. Je comprends très bien que j'étudie la halakhot, j'étudie les lois. Un médecin,
Ben, il étudie comment il est composé le corps humain. Et selon la spécialité qu'il va étudier, ben, c'est ça qu'il va étudier. Mais simplement, on va pas dire au médecin chaque jour étudie la médecine, s'il connaît, connaît. On n'a pas vu des médecins que chaque jour vont prendre des livres de médecine pour réviser ce qu'ils ont. Ça, ils ont l'expérience. Une fois que tu es médecin. Tu n'as pas besoin de lire et de relire la médecine, ça y est, tu es médecin. Mais toi, sauf si tu veux être, je sais pas, si tu veux devenir un médecin général, tu veux savoir, tu veux être en même temps anesthésiste, en même temps tu veux être chirurgien, etc. Alors là, tu as besoin de 1000 ans d'études. Mais là, un médecin, c'est un médecin. Là, la Torah dit, elle veut qu'on étudie en ordre. La Torah, elle aurait pu dire, on lit les halakhot. Les halakhot. Lire les halakhot, c'est quoi? Les lois. Les lois de Shabbat, les lois de Nida, les lois. Non, la Torah, elle veut qu'on étudie la Torah. Après les halakhot, il faut étudier la Torah. Même si tu connais les, par exemple, à Pessah, on doit répéter les lois de Pessah. Mais je les connais. Non, il faut les lire. Mais je les connais. Il faut les lire. Il faut toujours relire et relire. Et il n'y a pas de raison. C'est pour ça que la Torah dit, c'est-à-dire que la Torah dit, si vous voulez réussir, arriver à respecter les mitzvot, il faut lire la Torah. L'étude de la Torah, c'est une loi. Une loi qu'on ne sait pas pourquoi. En même temps, trouvez-moi. Il doit avoir une raison. C'est pas, le bon Dieu ne va pas nous donner une loi qu'on ne comprend pas. C'est pas possible. Une loi, c'est une loi. Eh ben, la réponse, elle est super. La réponse est en connexion avec la question que j'ai posée. Tout à l'heure, j'ai posé une question. J'ai dit tout à l'heure, pourquoi Hachem, il veut, pourquoi le Pékin a voté dit que tous les juifs, ils ont hélec à l'Alababa. Tous les juifs, ils ont accès à l'Alababa. Il faut comprendre ce que je veux dire. Vous savez que, avant que Hachem ait donné la Torah en Israël, la Torah, elle était au ciel. C'est pour ça, quand je vois au coup, il dit au Béni Israël, à Shavuot, il y aura déjà deux cadeaux que je vais vous donner. Deux cadeaux qui sont avec moi depuis l'éternité. Et que je vais vous donner. Maintenant, on aurait pu croire, quel cadeau? C'est pas d'argent. Le cadeau, c'est, il y aura dit, le premier cadeau, c'est la Torah. Le deuxième cadeau, c'est le Shabbat. Alors, c'est quoi? C'est quoi le cadeau? Où est le cadeau? Quoi, la Torah, c'est un cadeau? La Torah, c'est un fardeau, plutôt. La Torah, c'est un fardeau. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Il y a une fois, tu me dis, Rabbi David, tue-moi. Je dis, pourquoi? Ben, dis, parce que je peux rien faire. Depuis que je commence à fréquenter la Yeshiva, je suis ruiné. C'est dur. Je dis, parce que tu le fais sans cœur. Mais si tu le fais avec cœur, tu vas voir. Vas-y, regarde la maman. Parce que la maman, elle est enceinte. Elle souffre. Elle souffre. Et surtout, les derniers temps, avant d'accoucher, vraiment, elle a ras-le-bol. Elle peut même pas voir son mari. Elle accuse son mari que c'est à cause de lui. C'est à cause de lui qu'elle, elle souffre. Et lui, il souffre pas. Mais une fois qu'elle accouche, waouh, elle se sent tellement bien. Elle a le bébé dans ses bras. Elle adore. Et on lui dit, alors ça valait la peine ou pas? Et il dit, ouais, ben oui, ça valait la peine. Ben, je dis, écoute, c'est de même avec la Torah. La Torah, c'est un fardeau. C'est ce qu'il dit David Améler. Il dit David Améler. T'as un mot au culte de ma chaîne. Il dit, au départ, c'est dur. Mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a étudié, on peut pas s'en passer. Elle est super, elle est belle. Tout à l'heure, j'étais dans l'avion en vélo de Paris. Dès que j'ai commencé à étudier, des heures et des heures et des heures, sauf que l'avion, elle a été. Je me suis arrêté. Alors que tout le monde est en train de voir cette télévision, et tout le monde, il y avait des gens qui ont déjà vu 2, 3 ou 4 films. Et moi, je suis arrivé à ma 60e page que j'ai écrite. Et j'étais super content. Content. Ils ont commencé à servir à manger à tout le monde. Et j'avais un peu faim. Faut dire. J'ai dit non, je veux pas arrêter. Parce que le temps qu'on me pose le plateau, et ce qu'on va leur reprendre le plateau, j'ai risque de me déconcentrer. Ah, j'ai dit non. Après, une fois que j'étais venu, j'ai pris un café avec un morceau de gâteau. Et je suis bien. C'est ça la Torah. La Torah, elle veut. Hachem, il dit, j'ai deux cadeaux. A priori, ces deux cadeaux, au départ, ils sont durs. Mais une fois que
Comme par exemple, on va donner à un enfant, on va donner à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de l'or et des diamants. On va dire, allez, prends ce que tu veux. Il va dire, mais c'est lourd, mais prends. Mais tu vas devenir, c'est riche. Mais lui, il ne comprend pas ce qu'est la richesse de l'or et les lingots. Il ne comprend pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il sent l'or. Il croit qu'on lui fait du mal. Prends. Il va remplir les valises. Allez, prends là. Je n'en veux plus. Mais tu vas regretter. C'est des lingots d'or. C'est des diamants. C'est des 20 carats. C'est des 60 carats. C'est des 1000 carats. Tu vas être multi. Tu peux acheter le monde entier. Je t'en prie, prends ton monde, lâche-moi. Il croit qu'on rigole de lui. On va l'obliger. Et à la fin, il va prendre. Et après, il va commencer à découvrir. C'est quoi, hein, combien coûte un lingot d'or? Quoi? Waouh, combien j'ai laissé comme ça? Je vais retourner, c'est trop tard. C'est ça la Torah. La Torah, quand je vois, il dit, j'ai un cadeau. C'est un cadeau qu'il a le sens que celui qui voit ce cadeau, il va pas l'accepter. Bah, c'est quoi, faire le mitzvot, si tu l'aides la Torah, c'est, quand je dis, prends, c'est un cadeau que je te donne. Une fois que tu es dedans, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Et Shabbat. Shabbat, voilà, comparaison avec moi. Chacun lui dit, ah, Béné, tu as perdu un peu de, j'ai migré un peu. J'ai migré un peu et j'ai perdu 10 kilos. Et c'est vrai. Avant, je pesais 102 kilos. Là, je garde 10 kilos de moins, toujours. Sauf le Shabbat. Le Shabbat, je mange de tout. Et je mange de tout. Parce que le manger du Shabbat, il est super. Il y a un tarnouk de le manger. Jamais, en semaine, je dors. Jamais. Mais le Shabbat, il faut que je dors. Une demi-heure, une heure. Parce que toute la semaine, j'ai pas le temps, j'ai ma tête prise. Le Shabbat, je me sens bien, je suis content, je suis heureux, je me lève tôt le matin, genre très tôt, alors que tout le monde, vendredi soir, il tombe de sommeil. Moi, le vendredi soir, j'arrive pas à dormir. Ben, c'est le seul moment que je peux étudier sans que le téléphone me dérange. Et j'ai un plaisir, je dois quelques heures, c'est tout. Mais tu peux pas y savoir ce que je sens le Shabbat. Et l'angoisse commence lorsque la fin du Shabbat approche. Et les gens me disent, Rabbi David, tu t'es reposé Shabbat, ben, mon plus gros repos Shabbat, c'est l'étude. Et les cours de Torah que je fais. Et vraiment, je sens le cadeau que Dieu nous a donné. Parce que le Shabbat, manger, il est bon. Il y a le goût de le manger, le goût dans le sommeil, dans l'enfant d'or, le goût en tout, le goût de la synagogue, le goût de la Torah. C'est un tout. Je vous donne pardonné pourquoi je ne prépare pas les cours de Torah le Shabbat. Et parce que Shabbat, il est super, il est kadosh, ben, la Torah, elle vient de ma bouche comme ça. Et le cours se prend. Il se voit d'une manière extraordinaire. Moi-même, je ne comprends pas. Donc, je peux dire que Dieu nous a donné deux beaux cadeaux. Shabbat et la Torah. Mais maintenant, on comprend très bien pourquoi la Torah, Hachem, il veut qu'on étudie la Torah. Pourquoi la Torah, elle s'appelle Hok. Elle s'appelle une loi. Parce que, il n'y a pas de raison pour qu'il faut l'étudier. Il n'y a pas de raison. La Torah, elle s'appelle Hok. C'est quoi la Hok? La femme qui va au mikvé. Pourquoi elle doit aller au mikvé? C'est une loi. C'est un Hok. Par exemple, la femme, elle peut se doucher avec toute l'eau du monde, elle peut prendre toute l'eau du monde sur elle, et les nida. Il faut qu'elle descende dans un mikvé, où il y a là-bas 40 mesures. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Oh, le cochon. Pourquoi ne pas le manger? Il est bon. Il est très bon, le cochon. J'ai jamais goûté, mais il est bon, il paraît. Il est très bon. Par exemple, le Rambam midi, on n'a pas le droit de dire, ich, c'est pas bon, le cochon. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Et pourquoi il n'est pas, pourquoi on n'a pas le droit de manger? Hachem, il a dit qu'il ne peut pas le manger. Ok. Par exemple, on fait la shkita. On égorge les animaux pour les manger. Quelle est la raison? Pourquoi on ne donne pas un coup de karaté dans le cou et ça y est? On lui donne un coup de poing sur le cerveau et il va mourir. Quelle est la raison? Pourquoi? Pourquoi la shkita? Eh bien, là aussi, on ne sait pas pourquoi. Ça, ok. Hachem, il peut qu'on égorge de la gorge et couper les deux veines qui est là. C'est Hachem, on ne sait pas pourquoi. Et alors, l'étude de la Torah dit, ah, oh, c'est une loi, on ne sait pas pourquoi.
Ben justement, je peux vous dire une chose. Déjà, pour, et aussi le respect du Shabbat. Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est un chef qui s'est reposé Shabbat, alors nous aussi on doit se reposer Shabbat. Et alors on peut se reposer et travailler. Ou faire allumer une lumière, allumer une cigarette. Pourquoi pas? Non. C'est une loi. La roque. C'est une loi. Non. Le repos, c'est, pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je peux pas prendre un stylo, écrire, signer, voyez l'ascenseur? Je sais pas, pourquoi je monte pas? Ouais. Il y a un bus, il y a un train, je prends l'avion, il y a quelqu'un, un non-juif qui prend mon passeport et lui il fait tout et moi je monte dans l'avion. Alors, non. Pourquoi? Oh. C'est une loi d'Hachem. Eh ben, justement, ces lois de la Kadosh Baruch Hu qu'on comprend pas, lorsqu'on les fait, on va trouver dans ces lois la plus belle satisfaction, le ta'anouk, le plaisir, le plus grand plaisir qui ne peut exister, on les trouve justement dans ces choses-là qu'on comprend pas la raison pour les, qu'on doit les faire. Vous imaginez un homme qui respecte Nida. Un homme qui respecte Nida. Et une fois que maintenant sa famille n'est plus Nida, il est heureux, il se sent bien. Ah, vous savez qu'il a gagné quelque chose. Vous savez qu'il a gagné un gros lot. Baruch Hashem. Imaginez quelqu'un qui veut faire une faute. Il la fait pas. La joie qu'il a, qu'il a pas fait. On n'a jamais vu quelqu'un qui était content d'avoir fait une faute. Le contraire. C'est parce qu'il a pas fait, c'est là qu'il va être content. Ah, grâce à Dieu, je l'ai pas fait. On voit que Bedavka, uniquement, dans les choses qu'on ne comprend pas les raisons pourquoi il faut pas les faire, et lorsqu'on les fait pas, parce que même qu'on comprend pas pourquoi on les fait, on est super content que des mitzvot, qu'on connaît les raisons pourquoi il faut pas les faire, c'est extraordinaire. Et bébé, c'est la raison pourquoi quand je vous prédis, il faut s'acharner dans la Torah. Il faut l'étudier. Quelle est la raison? Eh ben, c'est un cadeau. Quel cadeau? Ben, goûtez-le. Faites ce que je vous dis. Et vous allez voir. Effectivement, toutes les mitzvot qu'on ne comprend pas pourquoi il ne faut pas les faire, lorsqu'on les fait, on est super content. Le plaisir, il est énorme. Donc, quelque part, et c'est de là qu'on voit la grandeur de la Torah. Mais il faut savoir, cette Torah, elle vient d'où? Son origine d'où? Ben, l'origine de la Torah, c'est du ciel. Et c'est la raison pourquoi quand je vais dire mon chapel, tu montes, et je te donne un cadeau. Parce que je peux pas te donner ce cadeau-là. Parce que maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi quand je vais pas donner la Torah à mon chapelot, lorsque mon chapelot, il était en bas? Pourquoi quand je vais au cours, il a dit à mon chapelot, monte chez moi au ciel, et je te donne la Torah? Je t'ai jamais posé cette question. Il aurait pu être que je vais au cours. Il aurait pu être que je me dise à mon chapelot, Moshe, c'est pas bien que tu te déranges. Voilà la Torah. Prends les deux tables de la loi, et voilà ce qui est écrit. Voilà la Torah. Il fallait pas que Moshe Rabbeinu, il monte là-haut, 40 jours, 40 nuits. Quelle est la raison? Pourquoi? Ben, justement, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe Rabbeinu, il voulait que les Bnei Israël, ils méritent la Torah lorsqu'ils vont montrer qu'il faut un sacrifice. Et monter au ciel, c'est un sacrifice. Parce qu'il faut affronter les anges. Comme tu as vu. On a vu que les anges, ils ont fait la guerre au chapelot. Pourquoi tu es venu là? Tu es venu pour recevoir la Torah. Quoi, la Torah? Ils ont voulu le brûler. Donc, quelque part, il s'est donné. Il a fait un sacrifice. Alors, quand je lui ai dit, puisque tu as fait un sacrifice, je t'adore. Parce que, une chose qu'on donne gratuitement à quelqu'un, on peut la faire. Quelqu'un qui gagne au loto. De la même façon qu'il a gagné au loto, il peut tout perdre. Mais quelqu'un qui travaille dur pour gagner l'argent qu'il a gagné, il va faire attention comment le dépenser. On a vu des gens qui gagnent l'argent facilement, ils les perdent facilement. Les gens qui ont gagné l'argent avec difficulté, eh ben, ils ont préservé. Ils font attention. Ils ne dépensent pas aussi vite que les autres. De même, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu que le ministre ait sèche, il aurait donné la Torah. Mais on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu que le d'Israël, il souffre pendant 400 ans, en Égypte. Pour que le d'Israël,
ils prennent conscience de la souffrance d'être esclaves de Paro, et maintenant ils vont changer de Paro pour être esclaves à Akadosh Baruch Hu. Ils vont voir la différence. Quel esclavage est la meilleure? Être esclave de Paro ou être esclave d'Hachem? Servir Paro ou servir Hachem? Servir Hachem, tu gagnes toujours. Servir Paro, tu perds. Servir Hachem, tu gagnes. Servir le Sahara, tu gagnes, tu perds. Servir la Torah, tu gagnes. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe Rabbeinu monte dans le ciel pour, lorsqu'il fait descendre la Torah, il peut dire, eh ben, j'ai, ce cadeau-là que j'ai reçu dans le ciel, je l'ai gagné parce que je me suis sacrifié, étant donné que je suis le messager de tous les bénis d'Israël, donc je représente tous les Juifs. Donc c'est comme tous les Juifs, ils ont fait un sacrifice pour cette Torah-là. Maintenant, donc l'origine de la Torah, c'est quoi? C'est Olam Haba. Maintenant, on comprend. Quand Israël, chaque Juif, il fait partie de Olam Haba. Il est parti à Olam Haba. Quand? Lorsqu'il étudie la Torah, qu'il est venu de Olam Haba. Lorsqu'un homme, il est attaché à la Torah, qu'il est venu de Olam Haba, alors, il est à Olam Haba. Parce que, cette Torah-là que j'ai donnée, elle vient de Olam Haba. Elle est venue dans, Moshe Rabbeinu, il a fait descendre dans Olam Haba ici. Donc, lorsque je suis attaché à cette Torah qui vient dans Olam Haba, alors je fais partie de Olam Haba. Après 120 ans, j'ai Olam Haba. Mais si je fais pas attention à cette Torah-là qui est venue dans Olam Haba, et je l'étudie pas, elle n'y a rien du tout, eh ben, je fais pas partie. Donc, je fais pas partie. Ah, maintenant, c'est pour cela, avant qu'on commence à étudier la Torah, il faut réparer les qualités, les mauvaises qualités. C'est pour cela, le Pirkei Avot, c'est des conseils comment on doit vivre. Par exemple, il y a quelqu'un qui me, dans le Pirkei Avot, il a des phrases, une très belle phrase. Il dit, Velo hamaveb asatim hakim. C'est pas celui qui s'acharne dans les business qui devient intelligent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le business toute la vie, ils ont tout perdu. Mais lorsque tu étudies la Torah, tu réussis. Je peux vous raconter une petite histoire, mais je n'ai pas le droit de dire des noms. Il y a un monsieur, il y a des grosses affaires, mais des affaires de milliards de dollars. C'est des milliards, c'est une fortune mondiale. Et il est associé avec quelqu'un, que lui aussi c'est une grosse affaire. Donc, ils sont même pas, pour vous dire, ils ont tellement des sociétés, ils sont tellement riches que le monde n'est pas au courant que c'est des grosses fortunes, qu'ils représentent parmi les plus grands fortunés, des grosses, mais personne n'est au courant de ça. Maintenant, ils ont un grand problème. Donc, ils sont, ils ont pris des avocats, des centaines d'avocats. Et finalement, cette semaine, ce vendredi-là, il y a certains avocats qui viennent des États-Unis, je ne peux pas vous dire où, ils vont se rencontrer et il va payer à ces 3-4 avocats 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Et je discute avec lui. Et puis, j'ai dit, cette stratégie que vous êtes en train de prendre, monsieur, avec vos avocats, elle va vous amener à la ruine. Vous allez tout perdre. Et je suis pas d'accord. Et j'ai commencé à lui donner des conseils. J'ai dit, écoute, demande aux avocats ce que je suis en train de vous dire. Le vendredi matin, il m'appelle. Ben, les avocats, ils veulent vous rencontrer. Ils comprennent pas comment tu as bien saisi l'affaire. Et tes idées, ils doivent vous rencontrer. Alors, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, j'ai arrivé de Chicago. Bon, il dit, ils sont prêts à, mais lui me dit, s'ils vont passer Shabbat là, ça va vous coûter encore 500 000 euros. Ça veut dire 10 millions d'euros, 10 500 000 euros. J'ai commencé à réfléchir. Et je lui dis, dis-moi monsieur,
tout ça, tu vas le donner que pour des conseils, que je donne des conseils. Et si tu as vraiment, tu as besoin d'eux. Je dis, mais c'est des grands avocats. C'est le prix. Mais si je peux poser une question, tel et tel me demande où vous avez fait vos études. J'ai moi, où j'ai fait mes études, je les ai fait à la yeshiva. J'ai jamais appris à écrire. J'ai jamais été à l'école pour apprendre à lire, à parler les langues. Tout seul, j'ai appris à écrire l'anglais, à parler l'anglais, à écrire le français, à parler le français, et parler avec des rois, des présidents, et je sais comment avec chacun, comment je dois parler. Et j'ai fait que la Torah. Dans la Torah, celui qui peut comprendre la Torah peut tout comprendre. C'est écrit dans Pekah Avot. Hafoch va, ve hafoch va, découle là-bas. Ce que tu veux, tu l'as dans la Torah. Je suis psychologue. Je suis dans les finances. Je suis docteur. Je suis tout. Je suis tout. Mais j'ai pas de terreau d'hôte. J'ai pas de licence. J'ai pas de certificat. J'ai rien du tout. J'ai que ma tête. Je dis le Rambam et beaucoup de tzaddikim juifs, pourquoi ils ont fait l'université? Le Rambam, il a ouvert la tête du roi égyptien pour lui enlever un verre qui était dans sa tête. Comment il a pu faire? Comment il a pu faire? C'est la Torah. C'est la Torah. Et c'est ça le cadeau que Hachem nous a donné. Hachem nous a donné un cadeau super. Un cadeau qui s'appelle Torah. Un cadeau qui s'appelle Shabbat. Shabbat, on se déconcentre de l'extrême du monde. On repose la tête. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont même pas de téléphone de rester en famille. Chacun dans un coin avec son téléphone. Chacun dans son coin avec sa télévision. Chacun dans son coin avec son internet. Chacun dans son coin. Il n'y a même pas le temps. Il n'y a même pas... La femme, elle ne fait pas à manger. Et l'homme, il n'apporte pas la panassa. Et les gens sont perturbés. Et les gens sont... Aujourd'hui, les gens, ils ont même pas besoin d'aller au casino, jouer au casino. De l'internet, ils jouent déjà. Aujourd'hui, c'est, tu as tout ce que tu veux, et vient jusqu'à chez toi à la maison. C'est de la folie. Alors, avant, pour avoir quelque chose, il fallait aller chercher. Aujourd'hui, alors, étant donné qu'il y a une facilité aujourd'hui, alors tu as plus le temps. Cette facilité, elle t'a enlevé le temps. Et t'a détruit ton temps. Et tu es plus toi-même. Et cette facilité, elle nous a rendu fainéants, elle nous a éloignés de Dieu, elle nous a envoyé à Shabbat. Shabbat, il nous remet en question. Shabbat, il nous redonne un peu de liberté, et d'être un homme en moins. Le Shabbat, on est des hommes. Et peut-être, grâce au Shabbat, l'influence du Shabbat, elle peut nous aider à progresser dans la semaine. Elle nous donne un punch, un push, une énergie. Il y avait quelqu'un qui... Vous savez, aujourd'hui, il y a des boîtes, des boissons hyper énergiques. Des boissons que les gens, ils boivent. Et j'ai quelqu'un qui boit 3, 4, 5 par jour. Et c'est dangereux, pas bien pour le cœur. Il dit, Rabbi David, je suis tellement fatigué, je suis obligé. Je dis, ça veut dire que tu forces. Je dis ça, ça donne l'énergie, mais ça te casse ton, ça détruit ton corps. Et je dis, commence à faire la prière le matin. Mais fais-la bien, mot à mot. Je te dis, tu vas voir, le matin, lève-toi et fais bien la prière. Mais tu es à tes téléphones, tu te réveilles, tu réponds à personne. Tu vas et tu fais ta prière. Et tu vas voir c'est quoi l'énergie. Je la parle d'honneur. Lorsque je me lève le matin à 5h du matin pour donner un cours, je suis super bien toute la journée. Mais lorsque je me réveille le matin pour voyager, je suis fatigué toute la journée. Mais lorsque je me réveille le matin pour faire une mitzvah, je suis super toute la journée. Ça me donne une énergie foncée. Ah, maintenant, on comprend très bien cette belle paracha de Berokotai. Berokotai était les roues. Hachem, il veut qu'on s'acharne dans la Torah.
Parce qu'Hachem, il sait que l'homme, il peut progresser. L'homme peut arriver à des, l'homme, il peut arriver avec les d'Hachem à des niveaux très élevés uniquement, uniquement lorsqu'il fait quelque chose sans comprendre pourquoi il a fait. Et si Hachem, lorsqu'Hachem voit que quelqu'un, il écoute, il fait des choses sans comprendre pourquoi il les fait, là, quand je crois qu'il doit lui sentir, lui faire goûter, c'est quoi le cadeau qui est caché dans ce qu'il lui a donné. Maintenant, on comprend une chose qui est extraordinaire. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Les choses d'action, on ne les comprend pas. La vie, elle est dure. Vous savez, d'ailleurs, ce cours de Torah, je lui dédie à la jeune fille là, qui est décédée à Dil, la pauvre, que le jour de la Mémouna, elle a invité toutes ses copines, et que le lendemain, elle a fait une petite opération banale, esthétique. Et la malheureuse, après son opération, sans qu'elle n'a pas pu supporter l'anesthésie, elle est morte, la pauvre. Ils l'ont enterrée la semaine dernière à Ashdod. Je connais bien cette famille qu'ils habitaient New Jersey. Ça fait un boule de neige, hein. Ça fait un boom en Amérique, à Brooklyn, à Brooklyn et à Deal, de tout le New Jersey, de cette jeune fille, qui était jeune, d'ailleurs, sa soeur va se marier dans 2 mois, et la pauvre, ça réveille tout le monde, pour faire teshuva. Peut-être pas qu'ils ont ouvert un site internet pour que les gens, ils s'associent, que chacun prend les Elulishmata, une mitzvah à faire. Il paraît qu'il y a des milliers de jeunes filles qui ont pris, qui sont inscrits et qui ont pris sur eux. Une fois, j'ai dit, est-ce qu'on a besoin qu'il nous arrive des malheurs comme ça pour qu'on se réveille? Quand par exemple, il y a une fille, il y a beaucoup de filles qui commencent maintenant à s'habiller de Tzniout. Parce que Tzniout, ils savent pas pourquoi. Il y a beaucoup de filles qui me disent, Père Benami, mais c'est mieux de mettre un pantalon que de mettre une jupe, puisque le pantalon, ça couvre le corps. J'y vais, la Torah, elle dit, la femme, elle n'a pas le droit de porter les vêtements d'un homme. Et l'homme, il n'a pas le droit de porter les vêtements d'une femme. C'est une loi. C'est une loi. Et c'est tout, c'est une loi. C'est pas la peine de chercher pourquoi et pourquoi. Alors, elle m'a dit, d'accord, je fais. Et alors, je lui dis, et pourquoi je veux le faire? Là, la mémoire de cette jeune fille. Et si cette jeune fille-là, elle serait pas morte, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Tu vois, donc malheureusement, parfois, quand je vois qu'on, malheureusement, il prend des sacrifices pour rendre les gens bichouva. Pour que les gens, ils font des choses. Malheureusement. Parce que Hachem, il voit qu'on ne prend pas conscience des cadeaux qu'il nous a donnés. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il prend un cadeau. Il prend une âme. Cette âme-là qu'il a donnée en cadeau à ses parents. Il la prend. Comme ce couple-là, Wiesmann, qui sont partis au Maroc pour passer la fête de Pessah, les pauvres, et les deux, ils sont morts de l'explosion. Et j'ai assisté à leur enterrement la semaine dernière. Et pourquoi les pauvres? Pourquoi? Un beau couple, qu'ils étaient les deux, ils s'adoraient les deux, ils étaient religieux tous les deux, et la femme, elle s'occupait des jeunes filles pour les prendre au mikvé et leur donner le goût du mikvé. Elle leur expliquait, elle était mignonne, et alors les filles lui disaient, et demandaient à cette femme, et vous avez le mikvé? Oui, je vais. C'est beau le mikvé. Le mikvé, ça nous purifie. Et pourtant, on ne connaît même pas pourquoi on doit aller au mikvé. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Ça purifie. Ça nous donne, ça soulage, etc., etc. Et malheureusement, elle est morte. Ils sont morts tous les deux. Vous savez, il y a une belle histoire que je vais vous raconter. Une super histoire que j'ai écoutée. L'une des plus belles histoires que j'ai écoutées. Et puis une fois, un monsieur, il n'allait pas se marier.
tous les shidduchim, toutes les présentations qu'ils lui ont fait, ça marcha parce qu'il avait des traces dans le visage. Il avait été un peu défiguré. Et chaque fille qu'il rencontre, dès qu'il voit son visage, elle ne veut pas se marier. Elle ne veut pas lui faire honte, mais après, il n'y a pas de retour. Une fois, il est parti chez un raf. Il lui dit, Rabbi, voilà. Et le raf lui dit, mais pourquoi tu as ces marques? Il lui dit, parce qu'une fois, j'allais à la synagogue, et j'ai vu une fille, qu'elle était agressée par des voyous, et je suis parti la protéger. Et ces gens-là qui l'ont attaquée, ils ont pris un couteau, et je me suis disputé avec eux, et à la fin, j'ai gagné, je les ai fait fuir, mais voilà les résultats. Mais tout ce que je peux vous dire, au moins la fille, je l'ai sauvée. Alors le rabbi lui dit, je vous demande une chose. Est-ce que cette histoire-là, tu la racontes aux filles que tu rencontres? Elle dit non, parce que je ne veux pas raconter. Elle dit non, il faut la raconter. Il faut raconter cette gevura, cette force. Ce que tu as fait, il faut raconter. Il dit, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Il faut que tu racontes. Il faut que tu racontes. C'est une histoire à raconter que tu as sauvé une fille juive. Il est d'accord. Alors, le rabbi lui dit, si tu veux, être Hachem, le jour que tu vas te marier, tu viendras me le dire. Si je me trompe pas, c'était Rahim Kanivski, avec cette histoire-là. C'est lui qui lui a dit. Donc, le monsieur, et voilà, on lui fait le shidduchim, il raconte l'histoire, il n'y a pas de suite, il raconte l'histoire, et une fois, il raconte son histoire à une fille, et cette fille lui dit, alors c'est toi. Il lui dit, ça fait 7 ans que je te cherche pour te dire merci, c'est moi la jeune fille que tu as sauvée. Donc c'est à cause de moi que tu as eu ça. Alors je me marie avec toi. La folie. C'est la folie. Lorsqu'on sauve la vie de quelqu'un, on ne le voit pas. Il y a deux catégories. Il y a deux façons de sauver quelqu'un. Sauver quelqu'un physiquement. Ou sauver quelqu'un parce qu'il n'a pas de quoi vivre et tu lui donnes de quoi vivre. Ou sauver quelqu'un, tu lui mets dans le bon chemin. Ça s'appelle sauver la vie de quelqu'un. Ou tu sauves la vie physiquement de quelqu'un. C'est ça la Torah. Lorsque tu sauves la vie, lorsque tu mets quelqu'un dans le bon chemin, tu te dis, oui, je m'en fous de lui. Pourquoi je vais rentrer dans sa vie? Et pourquoi je vais le sauver? Il a agressé par quelqu'un. De quoi je m'en fous? La Torah te dit, c'est vrai, tu as raison, mais fais un effort. Sauve-le. Et il se peut que je vais faire. Essaye. Moi, je travaille dur. Pourquoi je vais aider celui-là? Il faut réfléchir. Hachim, il n'a pas donné, t'as donné à toi. Il aurait pu lui donner à lui, pas à toi. Alors, plus Hachim, il t'a choisi à toi, pas à lui, pardon lui. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de raison. Mais justement, les choses qui n'ont pas de raison, et on les fait, ça s'appelle Miserut Nefesh, ça s'appelle sacrifice. Et une fois que tu le fais, tu vas te sentir super. Et c'est ça qu'Israël, elle est Olam Haba. Chaque juif, il a sa partie à Olam Haba. Pourquoi? Pour que chaque juif, il a... Mais quelle partie? La partie, si tu étudies cette Torah-là, qui vient de Olam Haba, et tu t'accroches à elle, et tu t'attaches à elle, tu vas avec Olam Haba. Et je t'avais avec une très belle histoire. Une super histoire que j'ai lue ici. Il raconte qu'il y avait une fois, il y a le Pékin qui dit, assez, je vais essayer de la trouver, j'espère que je l'ai. Assez avec son nom, voilà. Elle est là. Un pachouk extraordinaire.
Il y a le Beth Israël. Il pose une belle question. Bon, j'ai donné la même réponse que lui aussi, il a dit. Il dit, pourquoi on fait Pessah Chéni? Et pourquoi on fait pas Pessah Er, Shavuot Chéni, ou Sukkot Chéni? Vous savez qu'à l'époque, lorsque les Juifs, ils n'ont pas pu faire le sacrifice de Pessah, alors on leur a donné, parce qu'ils étaient impurs, au tamé, on leur a donné la possibilité de refaire le corban, le sacrifice de Pessah, un mois plus tard. C'est à peu près vers la Hiloula de Abimé Valanès. On l'appelle Pessah Chéni. Vous êtes au courant? Pessah Chéni. Je parle de l'époque. Alors, il dit, alors pourquoi? Il y a aussi des sacrifices qu'on apporte à Shavuot. Il y a des sacrifices qu'on apporte à Sukkot. Et pourquoi quelqu'un qui est impur, on lui dit pas d'apporter ces sacrifices-là un mois plus tard? Pourquoi il peut aussi les apporter? Quelle raison? Alors, lui, il donne la réponse que j'ai pensée. Bon, chez moi aussi, j'ai pensé. Je dis parce que celui qui veut réussir, il faut qu'il demande. Les Juifs, à l'époque, lorsque les Juifs, après qu'ils ont quitté l'Égypte, les Juifs qui étaient impurs, parce que la Torah dit que le Corban, comme appelle ça, il faut le faire lorsque tu es pur. Lorsque tu n'es pas pur, il ne faut pas le faire. Alors, ça veut dire que, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais c'est pas de notre faute qu'on est impur. Et quand même, que le bon Dieu nous donne une chance. Alors, quand je leur ai dit, puisque vous l'avez demandé, alors je vous donne la possibilité de la faire un mois plus tard. Alors, ça veut dire que, tout ce que le juif, il demande, il a une réponse. Mais lorsque tu ne demandes pas, tu n'as rien du tout. Par exemple, si je t'invite, et tu as faim, et tu ne demandes pas que tu as faim, par exemple, on va manger dans 2 heures, dans 3 heures, et tu ne dis pas que tu as faim, alors tu perds. Mais si tu dis, j'ai faim, alors viens, c'est toi, c'est chaud de la manger. Alors là aussi, le fait que les ministres, ils ont dit, Moshe, parce qu'on est impur, on ne peut pas faire le sacrifice. Ah, puisque vous demandez, je vous donne. Ça veut dire que la Torah, il faut toujours être à la recherche. Il faut toujours être celui qui la recherche. N'attends pas que la Torah vienne, comme on dit. Ne dis pas, alors j'aurai le temps, je vais étudier. Parce que si tu ne veux jamais, tu auras le temps. Le temer, chef, ne l'échelé, chez mes petits panés. C'est-à-dire, il faut toujours dire, j'ai le temps. Parce que, pour gagner de l'argent, si on propose à quelqu'un, tu veux gagner de l'argent, il ne va pas te dire, ben, je vais voir si j'ai le temps, je vais gérer. Il va venir, pourquoi? Parce que, s'il va pas, l'autre, il va gagner de l'argent. Mais pour la Torah. Et en plus, après 120 ans, c'est pas l'argent que tu vas prendre, c'est la Torah que tu vas prendre. Alors pourquoi tu la rates maintenant? Pourquoi tu la rates maintenant? Alors, il faut avoir la volonté. Tout c'est la volonté. Celui qui a la volonté, le ratson. La volonté. Celui qui a la volonté, il réussit. Alors, je termine avec une belle histoire que je vais vous raconter, et on arrête. Sinon, je peux parler des heures et des heures. Il y a une très belle histoire que je vais te raconter. Il y a eu une fois, ça me l'a raconté la semaine dernière. Venez, on la raconte. J'étais à Tzfat, à Rabbi Shmuel Yochanan Alav Hashalom. D'ailleurs, c'est là-bas, c'est ce fameux jeudi qu'il y a eu l'attentat au Maroc. Il y a eu ces deux juifs trois juifs qui sont morts. Un juif anglais et deux juifs de la famille Beit Wiesmann de Shanghai. Il me raconte, il me dit, Rabbi David, c'est un qui s'appelle Rav Moshi et Bilissi qui m'a raconté. Il me dit, Rabbi David, je vais te raconter une super histoire que j'ai écoutée cette semaine. Je dis quoi? Mais l'année dernière, ils sont venus chez vous, deux personnes, ils avaient un problème, et vous leur avez donné une bracha, et vous leur avez dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors, elle vous a donné 200 shekels, et elle vous a donné 800 shekels.
Qui me donne, il me donne une approche. Je ne sais pas ce que les gens me donnent. Il me dit, et cette semaine, ils sont venus vous voir encore. Et je ne rappelle pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que avant qu'ils soient rentrés chez vous, ils sont venus pour vous dire merci, parce que la bracha que vous leur avez fait l'année dernière, grâce à Dieu, elle a réussi. Donc, ils ont décidé de venir te dire merci. Mais maintenant, ils ont commencé à discuter, et les deux, ils ont pensé vous redonner la même somme qu'ils vous ont donné l'année dernière. Un 200 shekels et un 800 shekels. Et à un moment donné, avant qu'ils soient rentrés, ils ont dit, pourquoi on est obligé de lui donner 200 et 800 comme l'année dernière? On l'a déjà donné l'année dernière, c'est pas fait qu'on lui donne. On donne cet argent à quelqu'un d'autre. Alors je lui dis, bon, ah oui, l'histoire. L'histoire, mais toi, je te raconte l'histoire. Ben, c'est eux qui sont venus ce soir m'ont raconté toute cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que ils veulent revenir vous voir demain. Elle dit, oui, pourquoi? Ben, c'est ce qui s'est passé lorsque les deux sont sortis de chez vous. Chacun a pris sa route. Mais le soir, ils se sont rencontrés les deux. Et ils ont commencé à se regarder. Et ils ont dit, quelle bêtise on a fait que ce matin, on n'a pas donné des 200 shekels. Que j'ai pas donné 200 shekels. L'autre lui dit, moi aussi, je regrette. Pourquoi j'ai pas donné les 800 shekels? Alors, là, il dit, pourquoi? Il dit, parce que, au milieu de la journée, j'étais arrêté par la police. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Ils m'ont fait une amende de 200 shekels. Donc, il a commencé à rigoler. Il a dit, moi aussi, j'étais arrêté par la police. Et on m'a fait une amende de 800 shekels. Folie. Alors, il se dit, dommage. On les aurait donné à Rabbi David. On l'a pas donné. Moi, on les a donné à la police. Et maintenant, il faut qu'on va chez lui, mettons, demain, pour qu'il demande pardon. Et on va lui redonner ce qu'on devait lui donner, dommage. Pour vous dire, parfois, dans la vie, il faut réfléchir. Lorsque tu penses faire une bonne chose, il faut la faire. Il faut la faire. Tu penses faire une bonne chose, tu penses faire tzedaka, il faut la faire. C'est pas tu penses faire tzedaka, et après tu regrettes, non, je la fais pas. Le contraire. Tu penses faire une bonne chose, et tu la fais, tu gagnes. Ah, tu as un plaisir, je suis content, je suis bien. Alors, tu l'as pas fait. Ouais, tu l'as perdu. Pourquoi? Maintenant, si tu penses faire une bonne chose, et tu l'as pas fait parce que ça s'est pas présenté la chose, tu dis, demain, je vais me lever pour aller à la prière, et la montre, elle a pas sonné. Alors, quand je crois au coup, il dit, bon, il considère comme si tu as été à la prière. Parce que c'était pas ta faute. Mais si tu dis demain je vais aller faire la prière et le lendemain le réveil il te réveille et tu vas pas, tu vas pas dire moi j'ai pensé. Alors, tu as pensé mais tu n'as pas fait. Quelqu'un qui pense à étudier la Torah et malheureusement il est tombé ou sa femme elle est fatiguée ou il a quelque chose d'urgent qu'il peut pas. Quand je voudrais comprendre, il dit bon tu as pensé comme si tu as fait. Mais quelqu'un qui pense fait une bonne chose et ne la fait pas, c'est pas bien. Donc, ce Dvar Torah, c'est une nishmat au papa Amram Ben Hamou et une nishmat Michal et son mari Prosper Misod Asher Wiesman et la jeune fille de Dil, c'est Rona Mevacha Nishmat Amigal Haider.